Bonjour à toutes et à tous, c'est Check Dacrou, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui c'est moi qui suis chargé de te concocter le petit menu du 197ème top 10 de Code QG. J'espère que votre entrée s'est bien passée. N'hésitez pas à me dire en commentaire en quoi vous êtes rentré. Dites-vous que dans votre tête que dans une quarantaine de jours c'est déjà les vacances. Et si vous travaillez, et ben dites-vous que y a un salaire à la fin du mois, j'en sais rien. Je sais pas quoi vous dire pour vous motiver. En tout cas Michel, il est motivé, tu peux nous balancer les clips, c'est parti. Alors à la 10ème position, on est sur la map Nuketown de Call of Duty Black Ops 2 avec le balista de Vulsi Azor qui va te tuer 7 ennemis en te maintenant deux fois la quad fill on screen et en ayant une petite killcam sympathique des familles qu'on ne verra pas évidemment puisque c'est le putain de mode studio. 9ème place, on a Trophy Karma et son DSR camouflage vert sur la map standoff de Call of Duty Black Ops 2. Lui il va nous faire du cancel reload, c'est-à-dire qu'il va tirer, il va recharger et il va annuler les rechargements pour tirer encore plus vite et il va nous tuer 7 ennemis avec 3 fois il me semble la quad fill on screen dont 2 fois celle avec le cancel reload. Je suis pas sûr de ce que je dis exactement au niveau des feats qui s'affichent mais en tout cas c'était un clip bien surprenant quand même. 8ème position, on a Nira qui nous tue 7 ennemis en 6 balles, c'est-à-dire du full précision avec une quad feed on screen avec son Commonwealth sur la map Arden Forest de la bêta de Call of Duty World War 2. 7ème place, c'est Sunrise, toujours du World War 2, toujours du Commonwealth sur Pointe du Hawk cette fois-ci, et on est avec le bien connu combo single, triple en une balle pour la quad feed on screen. 6ème position, c'est Z Pro Rears qui va nous faire la même chose sur Pointe du Hawk avec encore une fois la single et la triple en une balle pour la quad feed on screen, juste un petit peu plus de distance, un petit peu plus de chance. Oui, un petit peu plus de 10 chances si tu veux Thierry, c'est de la merde Thierry. 5ème place, moi chez Sub 10, un petit peu de Call of Duty Black Ops 3 quand même. On est sur la map Hunted avec le locus de Furtif WR, il va nous sortir la bien aimée 5 feed on screen et la quad feed on screen juste derrière puisqu'il nous fait un total de 9 ennemis dans ce clip. 4ème place, attention, ça va aller vite, on est sur la pique-nique de Call of Duty Black Ops 3 avec Nothing et son locus qui va t'apprendre le russe déjà parce qu'il met son genre russe, c'est comme ça, faut pas chercher à comprendre et surtout il va t'apprendre à compter, ça va aller vite. 1, 2, 3, 4 et 5 pour la 5 feed on screen sur la pique-nique de Call of Duty Black Ops 3, ça régale tout ça. 3ème place, toujours le locus, cette fois-ci c'est Swinbox sur la Monstre et compagnie de Call of Duty Black Ops 3 pour une quad feed headshot on screen, bitch, qui suit avec la 5 feed on screen, ouais il nous a tout fait et il crie, et il crie, et il crie, et il crie. 2ème position, on est avec Jordan K sur la map Downturn de Call of Duty Modern Warfare 3. Pardon, c'est la map Action de Call of Duty World War 2. Donc, eh ben, il va mettre d'abord un hitmarker et avoir la bonne idée ensuite de sauter tout en tirant pour se mettre la triple headshot en une balle. Et enfin, la première position, on a Thrive, Kepler et son barrette calibre 50 sur la network de Call of Duty Modern Warfare Remastered. Lui, va nous faire la 5 feed on screen x2 et même la 6 feed on screen, mais rien ne pourra jamais combler le chagrin de Thrive Kepler qui vient de se faire voler une killcam de folie à un kill de la fin. Oh oui, j'imagine même pas l'état de la manette. Alors si tu veux le consoler un petit peu, si t'as une part d'humanité en toi, tu peux lâcher un like à cette vidéo et le féliciter dans les commentaires, ça lui fera peut-être plaisir. En tout cas, j'espère que ce top 10 vous a plu. Si vous avez encore des clips à envoyer, vous les envoyez à codxqg@gmail.com. Ah ouais, pour les prochains top 10 de Code QG, bientôt l'épisode 200, je vous le rappelle, à chaque fin d'épisode, évidemment. Comme ça, vous apprenez à compter jusqu'à 200, ce sera bien. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, et je vous dis à très bientôt sur Code QG. J'étais Check Dacrou. Allez, à plus les gens.